Bonjour, on va parler de la spectroscopie hier. On a déjà parlé de la spectroscopie ou du principe de la spectroscopie en général. Alors maintenant, on va s'attarder sur la spectroscopie infrarouge. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre, un grand nombre de composés organiques et de liaisons absorbent dans cette région-là, absorbent dans le IR. Et ça va nous aider donc de détecter la présence de certains composés dans un échantillon, par exemple. Alors, à quoi ressemble? Donc, tout d'abord, on va essayer donc de voir comment se présente le spectre infrarouge. Alors, le spectre infrarouge, donc on va le voir ici. Alors, dans l'axe des ordonnées, vous avez la transmittance T, qui est égale au rapport en pourcentage au rapport de l'intensité transmise divisée par l'intensité incidente de la lumière, bien sûr. Et vous avez l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'axe des abscisses? Alors, on met non pas lambda, mais 1 sur lambda. L'identification, bien sûr, reste la même. Parce que si on identifie, donc, par exemple, ici, une absorption maximale pour cette valeur-là, on fait 1 sur lambda, et donc on peut tirer lambda facilement. Mais on fait 1 sur lambda sur l'axe des abscisses, et non pas lambda, qu'on appelle le nombre d'ondes qu'on représente avec la lettre sigma. Et c'est en centimètres moins 1. Très bien, et bien sûr, le spectre se présente comme suit. Chose très importante, il faut faire attention, dans le spectre d'absorption infrarouge pour une molécule par exemple, l'axe des abscisses est orienté de droite vers la gauche. Bien sûr, une faible valeur de transmittance correspond à une forte absorption. Par exemple, ici, vous voyez très bien qu'il y a une forte absorption qui est la signature d'une liaison ou d'une entité chimique bien déterminée. Les bandes d'absorption sont orientées vers le bas, c'est normal parce que c'est la transmittance en ordonnée, et donc une forte absorption correspond à une forte diminution de la transmittance. L'axe des abscisses est orienté vers la gauche, ça on l'a déjà dit, cette échelle n'est pas toujours linéaire. Alors, voici un exemple. Donc, ça, c'est le spectre infrarouge de la molécule de propanone. Et donc, chaque bande est caractérisée par la position, bien sûr. Il faut déterminer la valeur 1 sur lambda qui caractérise l'existence donc d'une entité chimique bien déterminée, mais pas seulement, aussi sa largeur et aussi son intensité, c'est-à-dire la chute, est-ce qu'elle est brutale ou faible, comme dans cette partie-là? Un spectre infrarouge renseigne sur la nature des liaisons présentes dans une molécule et sur les groupes caractéristiques qui y sont présents. D'où, on voit très bien l'importance d'étudier ce domaine donc de la spectroscopie qui nous renseigne sur la composition donc d'un échantillon, par exemple.